les gars, c'est Joey, ça va ou quoi? T'as capté ou pas les bails? T'as un mec croustillant toi? T'es une petite biscotte, j'aime bien. Bon, pour ceux qui ont la ref, c'est mon personnage TRP, vous inquiétez pas. Aujourd'hui les gars, le programme, on va partir en vacances. Avec Jacqueline, avec les deux merguez. On va passer par Lyon, Valence, Montpellier, Palavas-les-Flots. T'as capté ou pas les bails? Ouah, t'as capté. Après, vous inquiétez pas, on voyage léger hein. Ouais, voilà, tranquille, c'est léger. On a pris la Twingo, comme ça on est tranquille. Par contre, là, avec cette voiture, ça me casse la tête. Il faut checker la pression toutes les deux minutes. Et le problème, c'est que des fois, ça te dit perte de pression. T'appelles le garage Audi, ils te disent « Oui, prise de rendez-vous, il n'y a pas de souci. Venez dans un mois et demi. » Regarde, je pars en vacances maintenant, now. What the hell, man? Alors là, du coup, bah, vous avez un joli volant. C'est pratique pour tourner les roues, etc. Là, vous avez une boîte automatique manuelle avec passage des vitesses, palette au volant, etc., etc. Bon, là, vous avez une boîte à gants. Là, vous avez la clim qui fait à la fois clim et chauffage. C'est très rare. Hein. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Là, vous avez un toit panoramique. Voilà, à ne pas confondre avec Panoramix. Là, je suis trop drôle, ça, merde, c'est un truc de ouf. Là, vous avez des sièges. C'est très pratique, en fait, quand vous voulez vous asseoir dans une voiture. Parce que imagine, il n'y aurait pas de siège dans une voiture. Tu conduirais debout? Ça m'étonnerait, ça. Et derrière, t'as capté, c'est là, il y a mes deux acolytes. Eh ouais, les effaceurs, on les appelle dans le milieu. Parce que la première fois que tu les vois, c'est aussi la dernière. Donc là, du coup, on part de Nancy, on va passer par Lyon, on s'arrête à Valence, on va dormir à Valence, parce qu'avec les deux effaceurs, c'est un peu compliqué, tu vois. On dort là-bas, le lendemain, on se réveille, Inch'Allah, et après, on reprend la route direction Palavas-les-Flots. C'est bon, les gars, on arrive à la mer. Vous en pensez quoi? C'est grave beau, hein. Par contre, il manque un peu d'eau. Non, je rigole. Comique, humour. T'as capté, on est là. On a mis 1h30 pour faire 30 km. J'ai dû me mettre à l'arrière pour calmer le petit. Voyage transpiré, j'étais serré, ça criait dans mes oreilles. J'avais l'impression d'être au concert d'Astrabé de Jennifer Lopez. Du coup, j'ai laissé les petits sur une aire de repos, je vais les rechercher au retour. T'as capté ou pas? Ouais, t'as capté. On a un cœur, mais il y a des limites. Brr, brr, brr. Bon, petite visite de la salle de bain. Ouais. On est bien là! C'est de toute beauté! Là, on peut faire des trucs intéressants, t'as capté? Des trucs un petit peu croustillants, quoi! Oh! Mais attends, mais on est dans un bateau ou quoi, mon gars? Mais c'est quoi ce délire là? Lui, il respecte pas Joey, c'est un truc de ouf! Moi, c'est Joey! C'est Joey la cassette! T'as capté ou pas? Oui, t'es capté. Voilà, respecte-moi, mon pote. Attends. Oh, ça. Moi, je suis là, toi, t'es où? Et je vais te monter en l'air. T'as capté ou pas? Je vais te monter en l'air. Tu veux une preuve? Ok. Oups là. T'as capté. Pardon, j'arrive. Oh, c'est qui, ouais? Tu dis bonjour? Oui. Oui, frites normales, c'est bon aussi, ouais. Nickel, merci bien. Au revoir. Oh là, c'est comme ça qu'on se fait respecter, t'as capté ou pas, mon gars? Ouais, deuxième jour, t'as capté ou pas? C'est Joey la gâchette. Tranquille. Non, c'est moi, Joey, y'a qu'un seul Joey ici, ok? On est descendu. On est descendu, on a mangé. C'est moi, Joey. Oh, attends, deux minutes, je vais me le faire. Ah, oh, j'ai plus de balles, je suis désolé. Bon, le programme d'aujourd'hui. On va dans la voiture, on la charge à bloc. Et puis dans deux heures, on sera pas là. Palavas-les-Flots. Let's go. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Joey. On est arrivé dans la chambre d'hôtel, t'as capté ou pas? Donc là c'est la baignoire, c'est mon lavabo, c'est le lavabo à qui? Le lavabo à Joey. Là c'est la douche, pour faire des psh psh. Là c'est pour faire pipi, et pour faire des gros caca. Ouais, ok, donc là c'est la mer. T'as capté ou pas? Avec la piscine. Maintenant les mecs, je vais tirer sur la foule sans regarder. Bon les gars, là, je vais partir à la piscine et je vais vous montrer trois techniques pour impressionner tout le monde. Ah mon pote, première technique, la technique de la poule mouillée. Pourquoi? Parce que tu vas bec le premier. Ouais. La deuxième technique s'appelle la technique du rocher. Tu te laisses couler. Tu restes 20-30 minutes pour les plus fous.
Puis ensuite, tu appuies sur tes jambes. Et tu remontes à la surface pour recracher la piscine sur tout le monde. Et la troisième technique, elle s'appelle la coquine. Ouais, parce que tu pénètres dans l'eau tranquillement. Puis après, tu la gifles. Tu mets un bras, deux bras, tu mets les jambes. Et pour le tuto complet, la vidéo sera disponible sur une autre plateforme. Parce que celle-là, elle est brutale. Purée, ça veut dire que les gens vont voir le corps de Joey. Bon, ils vont tous être jaloux. Oh la vache. On va sous l'eau, on va sous l'eau. Oui. Ok, 1, 2, 3. Pour toi, c'est qui le meilleur youtubeur? C'est qui la meilleure personne qui fait des vidéos sur YouTube? Prof. T'es sûr? Ok. Franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu... Hey, on leur donne rendez-vous demain à la mer? Non. Bon bah rendez-vous, je sais pas quand. Allez, bisous. Ok, on va essayer de jouer à cache-cache, d'accord? Toi tu comptes, et moi je me cache, ok? Compte jusqu'à 20, et va sur le balcon. Je suis pas prêt encore, hein. Normalement, il va pas nous trouver. Tout est calculé. T'as capté ou pas? Ça me doit. La tension est palpable. Ouais, hey, j'étais bien caché quand même, hein. Ok, vas-y, c'est à toi maintenant. Je vais compter jusqu'à 10, ok? Allez, 1, 2, 3, 9, 10. J'arrive. 100%, il est exactement dans la même cachette que moi. Wesh, il est pas là. Y'a quelqu'un? Il est pas dans les toilettes? Il est pas dans la douche? Ok, je sais où est-ce qu'il est. Il est peut-être là. Waouh. Mais t'es trop fort, wesh. Ah oui, je suis trop fort. Ouais, et tu sais que moi, je pensais que t'allais te cacher exactement là où je t'ai caché. Tu m'as bien eu, hein. Ah oui. Bon gosse. Vas-y, vas-y, à toi de compter, vas-y. Oh, putain, il compte vite, là. J'ai bougé parce que je pensais que t'allais me voir. Ok, vas-y à moi. 1, 2, 3, 9, 10. Ok, mon petit gars. À votre avis, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es encore caché là? Tu vois, t'étais caché exactement à ma place. Où je t'ai trouvé? Allez, ça fait deux partout. Le prochain qui gagne, il a gagné toute la partie, ok? T'as capté ou pas le bail? T'es où? Ah, c'est là. Tu m'as trouvé! Hey, j'étais caché ici une demi-heure, hein. Bon, normalement, c'est moi qui ai gagné, mais vas-y, je vais te laisser, ok? Je vais compter jusqu'à 10, hein. J'entends rien. C'est bon ou pas? Oui, vas-y. Ah, il est caché, là? Oui. Bah, j'ai même pas eu le temps de compter. Bon, je vais juste poser ma caméra ici. Hop! Et je vais le chercher dans la salle de bain. Ah là là! Hé, hey, t'es où? Bah! C'est qui qui a tué ma caméra? Attends, mais me dis. Mais wesh! Ah, t'es là toi? Non! Oh, hé! Hey, ça fait égalité! Non! Moi, le mauvais joueur, c'est une dinguerie! Oh, carrément, c'est énervé et tout. Bon, c'est bon, t'as gagné. Vainqueur! Beau gosse! Donc on va jouer à un jeu, ok? Oui. Le jeu, c'est le jeu du ni oui ni non. Et si je te pose une question, tu dois absolument pas dire oui ni non. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Ça commence maintenant. 1, 2, 3. Ça va? Oui. Alors, on recommence, vas-y, on recommence. Ça va et toi? Oui. Mais les règles sont simples quand même. Oui. Tu dois ni dire oui, ni dire non. T'as compris? Ok. Ça va? Non. Bon, allez. C'est bon. Poursuivant. Ah là, on est bien.
Bon, bah écoutez, le programme de ce matin. Un petit déjeuner déjà, Roya. Y'a un tracteur là-bas. Mais attends, mais Roya, il joue à Farming Simulator ou quoi? Et ça sert à quoi le tracteur? Pourquoi ils ont ramené le tracteur là? Parce que vous voulez faire rien et vous voulez juste rouler. Il voulait juste rouler? Oui. Ah ouais, c'est son délire à lui, c'est rouler sur le sable. Non, regarde. T'as vu, il est en train d'aplatir le sable. Est-ce que t'as capté ou pas les bails? Bah oui, j'ai capté. Ouais, ok. Bon, c'est bon alors, on va essayer de manger. Ben ça. C'est petit déjeuner, c'est petit déjeuner. Oh. Au final, des fruits, un croissant, et le plus important, une omelette au fromage. Les gars, j'ai croisé Thierry Hardisson. Et il est derrière. En t-shirt noir. T'as capté ou quoi? Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Il a besoin d'un justicier. Et surtout cette chambre d'hôtel. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je suis avec lui, là. Je suis bloqué une heure avec cet individu dangereusement armé et réputé redoutablement intelligent. C'est vrai ou pas? On reprend ce que le... Ah, je suis pas en train de rigoler avec toi, t'as capté ou pas les bails? Ouais. Ouais, ouais. Mais il y a la police qui va t'attendre aussi. Donc quand ils vont t'attraper... Faudra pas baver. Ok. Ok, ça me va. Étape numéro 1. Classique. Essayer d'endormir le gosse. En marchant, en faisant le pitre, en sautant, en faisant des saltos. L'objectif principal, c'est qu'il s'endorme. Parce qu'après le biberon, normalement, tu dois dormir. Sinon, ça sert à rien. Allez, on va dormir. Étape numéro 2, utiliser une chaise à bascule. Et évidemment, faut lui chanter une chanson douce, quoi. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Oh Marie, si tu savais. J'entends le loup, le renard à la belette. J'entends le loup, le renard à la... Tu dors ou pas? Mais wesh. Là, les gars, on est obligé de passer à l'étape numéro 3. Je suis obligé de sortir le grand jeu. Toi, t'es un voleur, moi, je suis un policier, ok? Monsieur, bougez plus! Dormez maintenant! C'est mon dernier avertissement! Sinon, je vous embarquerai la police! Bon, étape numéro 3 est un échec. Tiens, bois! Mais c'est bon! Mais c'est du lait! C'est un biberon! C'est un biberon! Hey, je vous ai dit du premier coup! Du premier coup! Le charisme, les gars! Et après, tu fais un bon dodo! Il a les yeux qui se ferment tout seul. Il est fracassé, le pauvre. Wallah, il veut pas dormir, c'est une dinguerie. J'ai fermé les rideaux. J'ai fait un milliard de pas dans la... Normalement, il va dormir. C'était l'euro. Ok. Dis l'hamdoulou. Je dis wesh. Il me fout la honte. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Tu veux des sauts pour la plage? Moi, des sauts, non. Tu veux pas de sauts? Bah, je vais t'en prendre un quand même, d'accord? Non, non. Mais moi, j'ai envie de faire des châteaux de sable. Attends, attends. C'est pas... Ah, tu veux des jouets? Celle-là. Il est trop bien, celle-là. Celle-là? Oui. Ah, faut la faire reculer pour qu'elle avance. Oui. Ok, bah vas-y, tiens. Tu veux pas les skateboards? Skateboard, si. Tu veux? Allez, tiens. Ouah. Ouf. Ah non, et on va pas acheter tout le magasin. Mission accomplie. Eh ouais, on a acheté de l'eau, un seau, des gâteaux, un jouet et des skateboards. Bon. La Mac, nouveau jour, j'espère que ça va bien. La map, elle est incroyable. RTX activé, les graphismes sont incroyables. Ah, tu connais le programme? Piscine, mer, piscine, mer, piscine, mer, piscine. Hey, wa. Hey, wa. Ouais. Tu viens avec Baba? Tu viens avec Baba? On met le maillot de bain, on y va, Boubou, hein? Voilà, j'en ai un qui est bloqué dans la poussette, l'autre qui est bloqué dans la tablette. Je sais pas où donner de la tête. On va à la piscine? Ah non. Comment ça, non? Tu crois qu'on va aller où, là? Lâche cette tablette!
Oh là, il est sur Roblox et tout. Tu veux devenir quoi, youtubeur streamer sur Roblox ou quoi là? Oh là, mais moi quand j'étais petit, ouais, moi quand j'étais petit. Mais fallait pas me prier pour aller à la piscine. Non, les causes d'aujourd'hui, tu dois leur dire s'il te plaît. Limite, tu dois faire un contrat avec eux pour qu'ils aillent à la piscine. Mais wesh. Ok, on peut y aller. C'est la pipi piscine. Ah, là, on est bien. Moi aussi, je suis bien. T'es pas venu crier? La discrétion, incroyable. C'est pas ça encore, hein. C'est vrai qu'elle est un peu fraîche. Elle est fraîche. T'en penses quoi, toi? Elle est fraîche ou pas? Ah oui. Ouais. Elle est fraîche. Regarde la caméra pour voir. Mets les yeux. Imagine les mecs qui filment comme ça. Ils savent que... On filme. Ouais, franchement, du premier coup, hein, facile. Moi, je vais te poser des questions, d'accord? Il faut que tu répondes juste. Et ce matin, t'as mangé quoi alors du coup? Bah, on fait ça. T'as mangé un pouce? Et Baba, quand tu regardes tes vidéos sur YouTube, tu mets un pouce vers le haut, un pouce vers le bas? Mais wesh. Toi, tu peux faire quand il fait 28 ou quand il fait 38? Un 38. 38? Oui. Mais t'as pété un câble ou quoi? Oh là, que je suis un bonhomme, y'a quoi? 1, 2, 3. Est-ce que t'as déjà fait pipi dans la piscine? Oui. Noni. T'es sérieux là? Non! Attends, mais t'as fait vers où? Vers là! Viens ici? Viens! Quand tu seras grand, t'auras les mêmes cheveux que papa ou pas? Non! T'aimerais bien avoir les mêmes cheveux que baba? Non! Pourquoi? J'ai encore des cheveux. Et alors, bah, Bob aussi il a des cheveux? Ben non. Comment ça, ben non? T'as autour. J'ai autour? Oui. Mais j'ai des cheveux sur la tête aussi. Non, non, non. Mais comment ça, non, wesh? Mais viens là, toi, comment ça, non, j'ai pas de cheveux. T'as pété un câble ou quoi? Elle n'est pas si chaude que ça. Là, je me posais une question, genre, si tu fais l'amour dans l'eau de mer avec ta femme, genre, ton enfant c'est un poisson? T'as capté ou pas ce que je veux dire? Voilà. Tout le monde se baigne. Même les enfants. J'y aille. Vague. Oh là, je suis bien. Ah, là, on est bien. Alors, entends-moi ta grande gueule. Ouais, t'iras jamais, elle est trop froide. C'est pour tous les rageux et les rageuses. T'as capté ou pas les bails? Je vais lâcher mon petit pipi, mon petit caca, pour laisser un petit souvenir. Et calme. Franchement, ça fait plaisir. Oh, la vague qui arrive là. J'ai même pas encore mis ma tête. Bon, bah, objectif mer accompli, hein. Oh non, c'est la fin de ce voyage. C'est la fin de cette vidéo. Et le temps est dégueulasse. Je crois que le temps il fait la gueule parce qu'on se barre. Oh ouais, il y a plein de moustiques, hein. Mais wesh. Ça c'est le gros point noir du sud. Vous avez des moustiques, c'est pas des moustiques, Roya. C'est du chikungunya. Allez, là je te pose des questions. C'était bien les vacances ou pas? Bah non. Comment ça, c'était pas bien? C'était quand même bien les vacances, non? Oui, un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est quoi que t'as préféré dans les vacances? Personne. La personne. Piscine. Mais toi, tu préfères la mer ou la piscine? La piscine. La piscine? C'est parce qu'il y a pas de requins dans la piscine, c'est ça? Vous avez des revendications à faire, vous, monsieur? Ah, toi, t'es fatigué? Ah ouais? Mais toi, t'es juste fatigué, en fait, toi. Toi, c'est l'heure de dormir, Asahbi. T'as capté ou pas le bail, Asahbi? Et vous, madame, c'était bien ou pas les vacances? Oui, super. Ah bah voilà. Même pas de oui, merci, oui, c'était juste super. C'est grave, voilà que c'est grave. Un petit mot pour la fin? Et bah voilà. Et bah on finira sur ça. Abonnez-vous, laissez un petit like, et on se dit à la prochaine, Asahbi. Prr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